et hey, salut Pour tout comprendre à cette vidéo, je vous conseille d'avoir vu avant cette vidéo-là que j'ai postée en février de l'année dernière et qui m'a valu les poursuites judiciaires, puis celle-ci qui date de novembre 2021 où je vous raconte en détail la première partie du procès. Salut Kingos, salut les Queenos et tous les autres gens qui tomberont sur cette vidéo par la magie de l'algorithme. Je crois pouvoir dire sans trop me tromper que cette vidéo est énormément attendue, si j'en crois à tous les messages que je reçois et surtout vu l'engouement qu'a eu la première vidéo sur le procès. Donc voilà, on y est, c'est la fin de l'attente, on va pouvoir Reprendre ce feuilleton juridique qui, je n'en doute pas, est votre préféré bien loin devant l'affaire Johnny Depp Amber Heard. Avant toute chose, je tenais tout simplement à vous remercier pour le soutien énorme que j'ai reçu suite à ma première vidéo sur le procès. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Alors que vous soyez abonné pas abonné collègues youtubeurs, des gens qui ont commenté, pas commenté, qui ont mis des likes, peu importe, ça m'a vraiment euh, beaucoup aidé. Vous m'aviez senti sans doute un peu nerveux et agacé à la fin de ma première vidéo sur le procès, une partie que j'avais retournée parce que genre juste avant la publication, j'avais appris qu'en fait David Michigan faisait appel, alors que normalement je pensais qu'il était hors délai. Mais après avoir reçu tout votre love et tout votre soutien après la publication de ma vidéo vraiment ça a complètement changé mon état d'esprit qui est maintenant le suivant euh, je veux juste fumer david michigan alors je précise juste au cas où son avocat regarde la vidéo que je veux le fumer sur le terrain juridique uniquement je le redis encore une fois mais du fond du cœur un immense merci pour tous vos commentaires tous vos likes et enfin bref tout votre soutien sur ma précédente vidéo, et je compte évidemment sur vous pour remettre le coup sur celle-ci, parce qu'il y a une notion avec laquelle David n'a pas l'air très familier, c'est la notion d'effet strésante, et je me dis bah et si on lui montrait tout simplement par la pratique ce que c'est. Je remercie aussi Thibaut, mon avocat, qui a accepté de relire une fois de plus le texte de cette vidéo. Vous verrez que j'emploie beaucoup de conditionnels, que j'émets beaucoup d'hypothèses, même quand le doute est plutôt infime de mon côté, mais c'est le jeu auquel j'ai choisi de jouer, je dois m'assurer que je prends le minimum de risques juridiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous parler de quelque chose de capital, c'est bien sûr de CyberGhost VPN. Nos ancêtres se sont battus et sont morts pour que aujourd'hui nous ayons accès à des VPN et qu'on puisse surfer en toute sécurité. Donc s'il vous plaît, misez sur CyberGhost VPN. Un VPN, ça a de multiples fonctions. Déjà, ça vous protège des pirates et des sites malveillants en cryptant toutes les données qui sortent de votre ordi et en masquant votre adresse IP. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint sur des gros sites web comme YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi trouver de meilleures offres commerciales en ligne, jouer à des jeux qui serait bloqué dans votre pays et même avoir accès à des bibliothèques de données de plus de 40 services de streaming comme netflix ou amazon prime ou disney plus etc etc cyberghost ils ont une politique de no logs ça veut dire que personne n'a accès à ce que vous faites sur internet même pas les gens de chez cyberghost eux mêmes les abonnements cyberghost vpn peuvent protéger jusqu'à 7 appareils à la fois donc vous pouvez tout à fait en proposer un à votre pire ennemi pour essayer peut-être de vous réconcilier ce serait une belle histoire vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et d'un service clientèle dispo à 24 7 jours sur 7 donc vous n'avez pas à hésiter ne serait-ce qu'une demi-seconde le mieux c'est que Cyberghost VPN m'a proposé une offre de dégénérer 1,94€ seulement par mois avec 4 mois gratuits ce qui fait 84 de réduction ça paraît complètement surréaliste et pourtant la réduction est bien réelle en tout cas, c'est pas pour rien que CyberGhost a 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, déjà parce que c'est très facile à utiliser. En plus, c'est disponible sur toutes les plateformes Windows, Apple, iOS, Android, etc., etc. Et si vous avez encore des doutes, CyberGhost a plus de 5 étoiles sur TrustPilot, ce qui est vraiment beaucoup. Et il est recommandé par plein de gros sites reconnus comme Presse Citron, Clubic, Journal du Geek, Frandroid, etc. etc. Donc n'hésitez plus et profitez de l'offre en description. Bien, on peut rentrer dans le vif du sujet. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé entre ma dernière vidéo et maintenant. Eh bien, à mon humble niveau, il s'est pas passé grand chose, c'était surtout du temps d'attente de l'audience d'appel qui a eu lieu le 28 avril dernier. Niveau personnel, tout va bien. J'ai pas eu, à ma connaissance en tout cas, de nouvelles tentatives de hacking sur mes réseaux sociaux, mes boîtes mail ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas eu non plus, comme j'avais évoqué l'hypothèse dans la première vidéo, de tentatives d'intimidation physique. Donc ça. Tant mieux, même si je reste vigilant. Concernant la plainte qui a suivi ma tentative de hacking, j'ai eu quelques mois plus tard des nouvelles de la police qui a réussi à remonter le numéro de téléphone qui a été utilisé pour le hacking. Malheureusement, le numéro de téléphone utilisé était au nom d'une vieille dame qui habitait au fin fond de la France et du coup, c'était assez difficile de faire le moindre lien avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, si de mon côté les actus étaient pas palpitantes, du côté de David, en revanche, il s'est passé plein de choses. Donc, avant de se lancer dans les chiantises juridiques, je vous propose. Un petit tour des actus de David Michigan. Déjà, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point sur ces statistiques. Euh, J'aimerais le féliciter parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis quasiment sûr qu'il aura passé la barre symbolique des 15 millions d'abonnés sur Instagram. Là, quand je tourne, il est à 14,9 millions. Je pense que ce sera fait. Et tout ça en ayant publié depuis ma toute première vidéo qui datait de début 2021, seulement une dizaine de posts sur son compte Instagram. Ces posts sont tellement inspirants et impactants qu'il gagne en moyenne 360 000 nouveaux abonnés par post, donc énorme respect. Quand on jette un coup d'œil à ces statistiques, c'est toujours aussi surréaliste. Il gagne parfois plus de 150 000 abonnés sur une journée où il n'a rien posté de nouveau. Globalement, c'est toujours le même schéma, une croissance constante, sauf un ou deux jours parfois quand Instagram fait une à jour où là il va être dans le rouge et perdre des abonnés mais rien qui ne saurait freiner la croissance inarrêtable de notre influenceur préféré. Je passe rapidement sur ces autres réseaux mais sur YouTube on constate un petit changement de ligne éditoriale. Il a supprimé toutes les vidéos qui étaient on va dire les plus dispensables. Il n'a gardé que les vidéos bien produites. La plupart des vidéos réalisées avec son, son réalisateur Jim Winter. Il a notamment enlevé ou passé en privé les dizaines et dizaines de vidéos de témoignages qui faisaient entre 20 et 40 vues grand maximum malgré ses 100 abonnés. La plupart des vidéos, c'est lui qui court ou qui marche dans des très beaux paysages. J'ai regardé l'ensemble de ses vidéos et je me demande encore aujourd'hui vers où il marche ou il court. C'est un mystère. Donc, si jamais vous arrivez à discerner un scénario, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serais très curieux. En parlant de commentaires, il les a d'ailleurs désactivés sur la plupart de ses vidéos. Moi, je trouve ça dommage quand on est influenceur parce que c'est quand même une bonne source de référencement d'avoir beaucoup de commentaires et surtout ça permet d'échanger un peu avec sa communauté. Donc, je trouve ça curieux. Bref, maintenant, on va parler de sa carrière au cinéma. Rappelez-vous, dans ma toute première vidéo, j'ironisais un petit peu sur le fait qu'il se considérait comme acteur alors qu'il n'avait joué dans rien du tout à part dans ses vidéos Instagram. Et entre-temps, je dois bien reconnaître que sa carrière a pris un nouveau tournant et qu'il est en train de me faire ravaler mon sarcasme. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un petit peu de promo gratuites sur les deux projets cinéma de David. Alors déjà, David a obtenu un rôle dans un film italien qui s'appelle Elohim et réalisé par un certain Paolo Veglio. Parce que rappelez-vous, son avocat pendant la première audition, avait dit qu'à cause de ma vidéo il avait eu énormément de mal à avoir accès au tapis rouge. Sur ce film j'ai un petit peu galéré à trouver des informations, il y a un teaser qui est sorti l'été dernier et c'était censé coming soon sur Netflix mais depuis pas trop de nouvelles. Sinon j'ai réussi à trouver un petit résumé que je vous ai Google Translate. Tourné principalement en Toscane, ce film fantastique raconte l'histoire d'un astéroïde qui se pose sur une île et attire l'attention de divers personnages grâce à sa forme pyramidale. Le long métrage s'inspire de l'histoire des Anunnaki et des dieux originels qui, selon la légende, ont fondé notre humanité sous la lignée bienveillante du dieu Enki, incarné par David Michigan, qui donnera son ADN aux hominidés. Bref, c'est tout ce que je sais sur ce projet-là, mais en tout cas, je vais suivre de près et j'ai hâte de le voir. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, David est aussi parti en Argentine pendant plusieurs semaines pour tourner un film argentin qui s'appelle What the Water Left Behind: Scars. Et là, pour le coup, il n'y a aucun mal à trouver des infos parce que c'est la suite d'un film d'horreur qui existe déjà et qui s'appelle What the Water Left Behind. EPQN, en Argentine, station touristique proche de Buenos Aires, est restée sous les eaux pendant 25 ans après la rupture d'un barrage en 1985. Les eaux se sont ensuite retirées il y a plusieurs années, et les ruines d'EPQN ont émergé, révélant un paysage morne et désert. Les habitants ne sont jamais revenus. Un groupe de rocs indépendants anglo-américains se retrouve bloqué à EPQN, où leur conflit interne et la malchance de leur tournée perdent rapidement de l'importance devant l'enfer qui les attend. Alors pour le coup, je n'ai aucune idée du rôle que David incarne, mais j'ai suivi le producteur et le réalisateur sur Instagram et ils avaient l'air très très contents de tourner avec une superstar française. J'espère quand même qu'ils comptent pas trop sur les abonnés Instagram de David pour faire des entrées en salle, ils risqueraient d'être un petit peu déçus. Voilà, c'est tout pour la partie cinéma. Maintenant, on passe à un autre gros projet de David assez surprenant, mais il se lance dans la musique. Il a sorti en ce début d'année son premier single à son nom qui s'appelle Wine for me et qui a fait un nombre de vues sur YouTube tout à fait respectable. Je vous Juge de savoir si les vues ont été achetées ou pas. Pour marquer le coup, à la sortie du single, il s'est même payé le luxe d'avoir un écran géant qui diffusait la pub de son single à Times Square. Là j'ai été assez impressionné parce que c'est pas un article sur Forbes India ou Fortune India, on est sur un écran à Times Square. Puis après, je me suis renseigné. Vous, là, comme ça, à la louche, je vous laisse quelques secondes, vous diriez que c'est combien pour avoir euh, sa pub sur un écran à Times Square Et bah je vous le donne en mille, sur cet écran précisément, c'est à peu près 250 balles pour avoir sa pub qui tourne pendant une heure. Et oui, moi aussi je pensais que ce serait beaucoup plus cher, euh, mais non, il n'en est rien, vous pouvez vous en servir pour faire par exemple une demande en mariage. Voilà, je donne des petites idées comme ça au passage. Revenons-en au son, c'est un bon gros morceau de reggaeton, featuring. Richie Loop et Diesel. Voilà, c'est pas du tout le style de musique que j'écoute, donc je n'ai pas d'avis sur ces deux artistes. Je sais d'ailleurs pas s'ils sont connus dans le milieu du reggaeton ou pas. Dans tous les cas, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit David qui soit mis en avant. C'est le seul à figurer sur la pochette du single, et c'est bien le plus important. Du coup, je me suis juste demandé quelle a été l'implication concrète de David sur cette musique et qui fait qu'il est autant mis en avant sur la pochette. Parce que je crois pas que ce soit lui qui chante, et euh, je l'ai jamais vu non plus faire de la musique, composer de la musique sur ses réseaux sociaux. Ou alors c'est un hobby qu'il a gardé un petit peu secret, mais en tout cas, il l'a jamais montré sur internet. En tout cas, dans le clip, il est bien présent, il se trémousse avec plein de danseuses autour de lui, mais ça n'enlève pas le fait que ce soit quand même vachement bizarre que ce soit le seul mis en avant sur la pochette, parce que, en général, je sais pas, on met le chanteur, pas le figurant du clip, sur une pochette d'album. Là, à part, je pense que David se positionne comme producteur de la chanson, c'est comme si sur les albums de Johnny, on mettait pas Johnny mais Pascal Nègre, ce serait un peu chelou, désolé pour le N-word. Notons quand même que le clip est bien produit, il y a beaucoup de danseurs, j'ai même identifié deux danseurs stars qui sont les twins, qui sont très connus et qui ont plus de 1,5 million de vrais abonnés sur Instagram qu'ils ont acquis grâce à leur talent pour la danse. Je ne sais pas comment David les a eus dans son clip, mais des mecs avec une telle carrière, je pense pas qu'ils apparaissent gratos dans un clip. Donc soit David les connaissait avant, soit il leur a lâché un gros chèque. Dans tous les cas, c'est stylé. En tout cas, on constate que David a su s'entourer et qu'il prend un virage intéressant vers le showbiz en tournant dans les films et en se lançant dans la production musicale. Là où je trouve la stratégie assez intelligente, c'est que même si en France il y a quand même de moins en moins de gens qui vont être dupes sur son compte Instagram, notamment grâce à pas mal d'articles qui sont sortis et au fait que BFM Business en ait parlé, en Argentine, en Italie, aux états unis personne ne creuse vraiment pour savoir qui il est ni d'où il vient. Et après tout, j'ai envie de dire, pourquoi pas Et s'il si devenait une superstar en Argentine ou peu importe le pays, grâce à ses méthodes de base qui certes sont un petit peu discutables, mais au final, acheter des abonnés, ça a jamais fait de mal à personne. La stratégie, qu'on le veuille ou non, reste assez maligne et elle illustre parfaitement selon moi la phrase ⁇ Fake it until you make it ⁇ Et je trouve la progression de David assez cool à observer de l'extérieur. Maintenant, on va passer à ce que je respecte un petit peu moins. Si la stratégie de David consistait juste à s'acheter des quantités astronomiques d'abonnés dans le but de percer au cinéma à l'étranger, franchement, pourquoi pas mais pour pouvoir se permettre un tel train de vie à base de voyages, de projets de clips, etc., bah, il faut bien de l'argent et cet argent, il le gagne à mon sens de manière un petit peu discutable. Dans ma toute première vidéo, je vous avais dressé une petite liste non exhaustive de plein de formations que David Michigan proposait, l'auto-hypnose, devenir le roi d'Instagram, perdre de poids, etc., etc. Mais depuis quelques mois, David et son associé Mathias concentrent leur communication vers une seule formation bien précise qui leur ramène énorme. avec leur société Hybrid coaching, ils ont monté la formation dont je vous parlais juste avant et qui est une formation de closing. En gros le closing c'est quoi C'est tout simple, c'est une compétence qui consiste à fermer une vente, d'où le terme close. En gros, le parcours classique, c'est vous êtes sur Facebook, vous voyez une pub pour la formation de David Michigan qui vous dit que vous allez gagner très facilement depuis votre téléphone 3000 euros par mois, par exemple. Vous vous êtes intéressé par cette offre alléchante, vous allez rentrer votre email, votre numéro de téléphone et on va vous proposer de prendre un rendez-vous téléphonique avec une personne qui va vous convaincre d'acheter cette formation. Cette personne, elle fait du closing, c'est ce qu'on appelle un closer. Et en fait, le but du closer, c'est de vous accompagner du moment où vous appelez jusqu'au moment où vous sortez votre carte. Bleu pour acheter la formation. Pour synthétiser, le closer, c'est celui qui va convertir le prospect en client. David et Mathias proposent plusieurs niveaux de formation, la moins chère à 500 balles et la plus chère à 2000 balles. C'est évidemment celle à 2000 euros qui est le plus poussée par les équipes de David et Mathias. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cette formation rapporte autant d'argent à David et Mathias Est-ce qu'il y a vraiment autant de gens que ça qui rêvent de devenir closer J'ai l'impression que quand on est gamin, on veut devenir policier ou astronaute, mais pas closer, ou alors j'ai raté quelque chose chez les nouvelles générations. Non, en vrai, le gros argument de la formation de David et Mathias, c'est que si vous l'achetez et que vous la suivez, vous pouvez après intégrer l'équipe de closer de David et Mathias et vendre à votre tour cette même formation. Alors je m'y connais vraiment moins en Égypte que Charlie Danger, je veux surtout pas dire de conneries, mais je crois savoir reconnaître une pyramide quand j'en vois une. En général des gens qui doivent eux-mêmes recruter d'autres gens qui doivent eux-mêmes recruter d'autres gens, ça sent pas très très bon. Aujourd'hui, David et son pote revendiquent une équipe de plus de 4000 closer qui travaillent pour eux. Alors c'est énorme, je sais pas s'ils sont tous actifs. En tout cas, c'est le chiffre qui est mis en avant dans la bio Insta de Mathias. Dans tous les cas, ça fait quand même plusieurs milliers de personnes qui tous les jours décrochent leur téléphone et essayent de convaincre d'autres gens d'acheter la formation de David et Mathias, de devenir closer à leur tour et donc de devenir leur propre concurrent. Ce système est complètement débile, mais ça marche. Et au-delà du nombre de vendeurs qui augmente de manière permanente, 4000 personnes qui ont acheté entre 500 et 2000 balles de formation, bah ça fait beaucoup beaucoup d'argent. Pour promouvoir leur activité, ils ont des groupes Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, tout ce que vous voulez où tous les closers actifs publient les chiffres qu'ils ont eu de commission pour donner envie à ceux qui hésiteraient de franchir le pas et d'acheter la formation. Et de rejoindre l'équipe de David et Mathias. En gros, la promesse elle est la suivante et elle est assez intéressante. Si vous rejoignez l'équipe de David et Mathias, vous gagnez 50% du montant de la formation. Donc, moi, si vous m'appelez, je suis closer, j'arrive à vous vendre une formation à 2000 euros, il y a 1000 euros pour moi et il y a 1000 euros qui vont à David et Mathias. Simple, carré. Et évidemment, si je suis dans l'équipe de closer et que je vends rien, bah je gagne rien, c'est carré aussi dans ce sens. Évidemment, toute l'argumentation pour vous convaincre d'acheter la formation, c'est de vous dire que, une fois que vous l'avez acheté ce sera très facile de la vendre à votre tour et vous pourrez vous rembourser vos 2000 euros très facilement et tout ce que vous ferez au-delà, ce sera du bénéfice, ce sera super. Et là, on voit bien que la formation en tant que telle n'est qu'un prétexte pour au final augmenter le plus possible le nombre de vendeurs de cette même formation. En fait, c'est une pyramide, mais à deux étages. Il y a David et son pote tout en haut et juste en dessous, il y a 4000 et quelques closers qui travaillent pour eux et qui leur donnent 50% des revenus qu'ils génèrent. Et le pire, c'est que ça marche vraiment bien. Ceux qui sont les plus motivés et qui ont le moins de scrupules arrivent effectivement à se faire de belles sommes en fin de mois, rapportant tout autant à David et Mathias. Tout a l'air génial. Si vous parlez à un closer ou vous consultez les groupes Facebook, il n'y a que des témoignages super positifs, il n'y a que des gens qui gagnent 20 000 euros par mois. Tout a l'air rose, tout a l'air sensationnel. Suite à mes deux premières vidéos, il y a pas mal de gens qui m'ont écrit parce qu'ils avaient acheté la formation de David et Mathias et ils se sont sentis un petit peu floués. Il y a quand même eu une certaine désillusion pour certains. Il y en a même qui me demandaient de l'aide. Alors malheureusement, j'ai pas pu les aider, mais il y a quand même quelques extraits de témoignages que j'aimerais vous lire. Pour pas qu'on m'accuse de dénigrement, j'ai décidé de faire 50-50. Je vais vous lire des témoignages plutôt négatifs que j'ai reçus, mais pour contrebalancer, je suis allé sur le site de David et je vais vous lire des témoignages positifs. Je fais un sur deux, comme ça, ça me paraît faire et vous vous votre propre avis. Je commence, premier témoignage que j'ai trouvé sur le site de David. Salut David, bravo pour ta formation, elle est excellente, ton succès est amplement mérité. Cool, maintenant des petits extraits d'un témoignage que j'ai reçu. J'ai été victime de David Michigan au travers de ses closeurs et vendeurs de formation. Il y a eu une vente par téléphone qui était censée m'aider à régler mes problèmes financiers. Je me retrouve à devoir payer 1907 euros sur 10 mois. Il se trouve que rapidement après l'acte d'achat, j'ai réalisé qu'il était très difficile de convertir des prospects en acheteurs, c'est-à-dire de les faire passer à l'acte d'achat par téléphone, contrairement à ce que m'avait fait comprendre la vendeuse qui m'avait closé au téléphone. Je trouve honteux de profiter de la détresse des gens pour se remplir les poches et se faire passer pour un personnage important. On passe à un témoignage positif. Une formation au top, je te suis depuis peu et J'adore. Au-delà de ça, tu es probablement le plus gentil et le plus vrai de beaucoup d'autres influenceurs. Autre témoignage. La formation est naze comme tu n'as pas idée. 95% de la formation ne consiste pas à t'expliquer comment devenir closer, mais simplement, en gros, à te faire apprendre un script par cœur pour vendre leur formation complètement bidon. Je peux maintenant te garantir qu'absolument tous les témoignages positifs que tu trouves sur internet concernant aussi bien David, son académie et ses formations sont 100% bidons. Les commentaires et témoignages sont réalisés par les nouveaux membres SUSBOOL de David et Mathias afin de leur faire plaisir et également pour que la personne qui témoigne puisse elle-même vendre ses formations. Pas top ça. On passe à un positif. Il donne de bons conseils, il a compris le business. Au Lieu de perdre des années à savoir comment ça marche, il vous explique cela rapidement. Moi-même, j'ai pris du temps à capter toutes les astuces, donc c'est carré. Bah voilà, au top. Un autre que j'ai reçu. Ayant intégré la formation à 1997 euros, mais étant étudiant, leur système bien rodé m'a poussé à faire un étalement de paiement en 6 fois de 337 euros par mois. Avec comme promesse que, dès mon premier mois, je rembourserai de loin le reste de la formation, ce qui, je te le donne en mille, n'a absolument pas été le cas. Je suis vraiment dépassé par cette formation horrible, de l'argent que j'ai déjà perdu, j'ai changé de carte visa pour m'éviter de nouveaux retraits, et je sais qu'ils feront appel à une société de recouvrement dès qu'ils verront qu'ils n'arrivent plus à me débiter. Courage Allez, un autre petit positif. Bonjour monsieur Michigan, j'ai regardé votre formation concernant YouTube et c'est absolument génial. Merci beaucoup, j'ai l'impression d'avoir fait un bon vertigineux dans la planification de mon e-business. Avec toutes les arnaques qu'il y a sur YouTube, au début j'ai douté de votre formation et je m'en excuse. Quand j'ai pu consulter votre site, j'ai vite réalisé que votre formation était vraiment ce qu'il me fallait. Je la recommande à tout le monde. Merci Monsieur Bichigan, vous m'avez beaucoup aidé. Bon bah c'est bien. Et je termine avec ce dernier témoignage. C'est une petite jeune d'à peine 18 ans et quelques mois qui m'a écrit, elle n'a même pas son bac et elle s'est elle aussi engagée, c'est ce qu'elle me disait en vocal, à payer sur 10 mois la formation à 2000 euros. Je suis en totale panique. J'essaye de rester calme, mais j'ai énormément de mal. Ils ont des bons avocats et des huissiers. Je vais être incapable de faire face à ça, sachant que je n'ai pas les moyens. Je suis dans une association pour jeunes majeurs, en contrat jeunes majeurs, et je me dis que s'ils apprennent ça, ils voudront plus me garder dans leur association et je serai donc à la rue. Donc, je pense que je vais essayer de trouver un travail pendant mes jours de repos et demander de l'argent à mes frères pour payer tous les mois. Donc voilà le genre de témoignage que j'ai reçu, j'avoue que ça m'a un peu fendu le cœur de savoir que bah une gamine d'à peine 18 ans va devoir passer ses week-ends et peut-être ses vacances d'été à bosser au McDo ou à l'usine pour Payer le tour du monde de David Michigan. Je trouve que ça en dit assez long euh, sur ce système très sain qu'il a mis en place. En tout cas, voilà, j'ai essayé de l'aider, de la conseiller comme j'ai pu. J'ai même demandé un peu conseil à mon avocat, mais sachez globalement que si vous avez déjà lâché l'oseille, ça va être très compliqué de faire machine arrière. Juste une petite précision sur les témoignages que j'ai reçus. Je n'ai pas la preuve formelle qu'ils soient tous véritables. Tout ce que je peux dire, c'est que je les ai bien reçus, que ce soit par mail ou sur Instagram, et que j'ai discuté avec les personnes et que ça m'avait l'air sincère. Ma vidéo, au-delà du divertissement, a quand même pour but d'éveiller un petit peu les gens à ce type de business et de montrer un petit peu les risques et les désillusions qui peut y avoir si vous voulez vous lancer dans le closing que ce soit avec la formation de David ou d'autres organismes d'ailleurs je précise également que toutes les personnes qui m'ont envoyé des témoignages n'ont pas été recrutées directement par David et Mathias mais bien par des closers de leur équipe de 4000 personnes des gens qui n'ont absolument aucun scrupule et qui veulent juste se faire de l'argent sur votre dos ça il faut quand même en être conscient d'ailleurs et c'est assez triste mais ce sont souvent des gens assez précaires qui finissent par craquer et acheter la formation parce qu'ils succombent aux promesses de liberté financière et de richesse facile mais croyez-moi globalement quand on a un vrai taf on n'a pas besoin de devenir closer pour david michigan le plus fou dans tout ça c'est que le business que je viens de vous décrire il est parfaitement légal mais alors que se passe-t-il si vous avez acheté la formation que vous vous rendez très très vite compte qu'elle n'est pas à la hauteur de vos espérances et que vous essayez d'initier votre droit à la rétractation et eh bien on vous envoie cette vidéo Internet, et vous avez, sous cette vidéo qu'on va vous remettre également d'accord ce qu'elle stipule aujourd'hui, c'est que lorsque vous achetez du contenu digital, comme ce que vous êtes en train de voir à l'heure où on se parle, euh, il n'y a pas de remboursement en fait. C'est très simple, c'est lorsque vous achetez un DVD euh, à la FNAC par exemple, vous regardez pas le DVD et après vous allez le rendre en disant ⁇ bon en fait le film il m'a pas plu ⁇ Donc ça marche pas comme ça, ok Aujourd'hui, il n'y a pas de droit de rétractation. Les droits de rétractation, ils sont de 14 jours si la personne n'a jamais regardé la formation, n'est jamais rentré sur la plateforme et n'a jamais téléchargé aucun document. Alors j'y connais rien en droit, donc je ne me prononcerai pas sur le contenu de cette formation. Mais par contre je me dis que s'ils ont eu besoin de faire une vidéo pour clarifier ce point, c'est qu'à mon avis, des gens qui ont cherché à se désengager quand ils ont vu la tronche de la formation, il y a dû en avoir pas mal. D'ailleurs, cette formation que l'avocat de Michigan me reprochait d'avoir jugé sans l'avoir suivi... Maintenant, les choses ont changé, j'ai eu accès à la formation. Pour vous montrer que c'est vrai, voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand on est logué à la Michigan Academy. A titre personnel, j'ai suivi plusieurs modules, tous plus intéressants les uns que les autres. En gros, c'est ce qu'on a vu dans l'un des témoignages, ça consiste à apprendre par cœur des scripts de vente. Ça commence par ⁇ bonjour comment ça va ?⁇ et ça se finit par ⁇ ok je t'écoute pour ton numéro de carte bleue. Ça, ce ne sont que des mini-extraits, évidemment, j'en mets pas plus pour des raisons purement juridiques. Au-delà des scripts, on vous donne aussi des méthodes commerciales, comment par exemple lever les objections les plus courantes. Si quelqu'un vous dit ⁇ ah la formation est trop chère ⁇ ou si quelqu'un vous dit ⁇ j'aimerais en parler à mon conjoint avant de payer une formation de 2000 euros ⁇ eh bien vous saurez quoi répondre grâce à la formation. Ça, c'est vraiment une toute petite partie du truc, mais ça a le mérite d'être concret et surtout, ça a le mérite d'être réutilisable pour à peu près n'importe quel job à fibre commerciale. Autre truc intéressant dans la formation, on vous apprend ce qu'il faut mettre sur vos réseaux sociaux pour vendre du rêve. Tous les closers de David et Mathias, du coup, mettent le même bullshit dans leur bio Instagram. Donc si jamais vous voulez les identifier, c'est pas compliqué, vous avez juste à aller dans la barre de recherche Instagram et taper closer à ticket. Dans la bio de quelqu'un vous voyez des trucs comme 3 millions encaissés par nos équipes ou alors des trucs comme de 0 à 5000 euros par mois en restant chez moi avec mon téléphone. Vous pouvez pas vous tromper, ce sont des money slave, euh, des closers de David. Et enfin dans la formation, il y a une grosse partie qui est consacré à comment encaisser le pognon via différentes méthodes. Mais quelle méthode de paiement, Babord, vous allez me dire Eh bien, c'est très simple, on peut payer soit en carte bleue, soit si on n'a pas envie de dépenser de l'argent de son compte courant. Après plusieurs mois d'attente, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma formation sur Instagram est finalement certifiée, reconnue et finançable par l'État. Et oui, David Michigan se fait des couilles en or avec le CPF. J'espère que tous les honnêtes travailleurs et les salariés qui voient cette vidéo et qui cotisent chaque mois sont heureux qu'il y ait une partie de cet argent qui aille dans les poches de David Michigan. Alors comment une telle formation a été validée par l'État je ne sais pas si c'est la méthode qu'ils ont employée, mais il existe pas mal d'organismes à qui vous lâchez quelques milliers d'euros et qui vous garantissent en échange que votre formation sera éligible au CPF. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le CPF parce qu'il y a le frérot Sylvain qui a fait une super vidéo qui explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les bails du CPF. Je vous mets le lien de sa vidéo en description, c'est un super complément à cette vidéo, mais finissez d'abord celle-là. Merci. Alors je ne connais pas la proportion exacte de gens qui achètent la formation de David avec leur vrai argent et ceux qui achètent via le CPF. Dans tous les cas, à mon avis, ça se compte en millions d'euros encaissés par David et Mathias. Avec tout l'argent que l'État te donne, David, j'espère que tu payes bien tes impôts. C'est très important, ce serait quand même bête de devenir exilé fiscal. Ne mords pas la main qui te nourrit, comme dit le proverbe. Marocco, si jamais vous devez utiliser votre CPF, réfléchissez bien avant d'utiliser vos droits à la formation, essayez d'apprendre des choses concrètes, je sais pas, électricien, du photoshop, enfin vraiment des vraies compétences. Ce n'est que Marocco. Enfin, David, comme tout bon entrepreneur, il veut faire grossir sa boîte et du coup il se lance à l'international et il commence à faire de la publicité en anglais et en espagnol. And it's the case of thousands of intrapreneurs. So if you want, today you can discover the skill. Il vise aussi sur Facebook l'Afrique francophone avec ses pubs, mais attention, c'est pas parce que vous venez d'Afrique que vous aurez des restournes, C'est 2000 euros pour tout le monde, quel que soit le pays où vous achetez la formation. Déjà qu'en France, une formation à 2000 euros, c'est pas anodin. Alors en Afrique, 2000 euros, le pouvoir d'achat est quand même un petit peu en dessous. C'est vraiment quelque chose de conséquent. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde de temps en temps des petits lives de David et Mathias, et parfois ils oublient de couper la webcam, et voilà ce qu'ils ont dit. Moi ouais, je suis ouais. à des en France. parce que trop d'Africains Désolé les Africains, mais il fallait être un petit peu plus riche pour trouver grâce aux yeux de David et Mathias. Après, cela dit, David et Mathias, si vous voulez moins d'Africains dans vos lives, eh ben il suffit juste de les enlever de votre ciblage publicitaire, c'est quand même assez simple. Par contre, évidemment, sur les groupes Facebook, le discours il est tout autre, on se félicite d'aider de nombreuses personnes en Afrique et même d'être soutenu par les autorités locales. En tout cas, jolie preuve d'honnêteté et de respect pour le continent africain. Désolé pour le faux raccord, mais je tourne cette deuxième partie de vidéo quelques semaines plus tard parce qu'il me manquait quelques informations pour, euh, pour l'écrire, tout simplement. Je crois qu les temps après ce petit amuse-bouche qui me semblait nécessaire pour compléter le portrait de notre ami David, de passer au nerf de la guerre de cette vidéo, à savoir le procès, la justice. Juste pour info, je vous avais évoqué le fait qu'un autre youtubeur, Robin Jensen, avait lui aussi eu un procès de la part de David et il faut savoir qu'il a gagné son procès. C'est très cool, bravo à lui, mais c'est pas forcément révélateur de la décision que j'aurai moi parce que lui il a été jugé au tribunal de commerce en tant que concurrent car c'est lui aussi un vendeur de formation. Dans les tribunaux de commerce, ce ne sont pas des juges professionnels, c'est ce qu'on appelle des juges consulaires qui sont soit des commerçants, soit des chefs d'entreprise qui sont élus par leur père pour rendre des décisions de commerce. Dans ma première vidéo du procès, je vous avais lu pas mal d'extraits des écritures. Document d'attaque de David et de son avocat. C'est dans ce document qu'il y avait des passages vraiment risibles et de mauvaise foi, où je pense que même un enfant de 3 ans aurait eu des doutes quant à leur recevabilité. Dans le cadre de l'appel, l'avocat de David devait fournir un document similaire, mais qu'il était libre d'avoir modifié à sa convenance. Il a donc pu adapter son document à plusieurs facteurs. Déjà au résultat de la première instance, ce serait con de ne pas en tenir compte, mais il l'a aussi adapté à la vidéo que j'ai sortie sur le procès. Et comme par magie, dans cette nouvelle version des écritures, tous les points qui faisaient un peu pitié et qui étaient risibles ont disparu. Donc ce nouveau document, je ne vais pas vous le relire dans le détail, ce serait un petit peu chiant parce que déjà il y a pas mal de points similaires et tous les points un petit peu fun, un petit peu risibles ont été retirés. Mais il y a quand même eu quelques petits ajouts rigolos. Que je vais vous mentionner. Donc, déjà, pour rappel, voilà ce qu'on me reproche. Cette vidéo s'inscrit dans une démarche dénigrante, son objet est la destruction de l'image de marque de M. David Michigan, sa crédibilité en tant que personnalité publique et la réputation des formations qu'il dispense via sa société Michigan Corporation. Parallèlement, le but de cette vidéo réalisée par M. Beru est le détournement du public qu'il capte en utilisant la renommée de M. David Michigan et la promotion de son activité, et notamment de sa page YouTube et des bandes dessinées qu'il commercialise. Voilà, c'était une petite remise en contexte. Ensuite, il cherche à nous prouver que ses abonnés sont réels et pour ça il nous invite à aller voir les commentaires qu'il y a sur les postes de David Michigan. Pour preuve, ces publications sur Instagram sont commentées par des milliers de personnes réelles. En regardant les commentaires se trouvant sous chacune des publications, il est simple de constater que les profils de leurs auteurs correspondent manifestement à des personnes bien existantes. Alors, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnalités certifiées qui commentaient les publications de David et qui lâchaient souvent des petites flammes. Donc, ça, j'ai pas trop d'avis sur le sujet, mais je rappelle quand même que je n'ai jamais dit que l'intégralité 100% de tes abonnés était fausse, j'ai dit qu'une grande partie de tes abonnés avaient probablement été achetés. Ce qui n'exclut donc pas que sur le tas il y ait, je sais pas, 200-300 000 personnes réelles, ce qui serait déjà pas mal du tout. Monsieur Michigan est suivi non seulement par un immense nombre de personnes réelles, mais aussi par un nombre conséquent de célébrités. En effet, pour n'en citer que quelques-unes, Leléponce, personnalité publique résidant en Floride et suivie par 46 millions de personnes sur Instagram, est abonnée à Monsieur Michigan. Mais aussi Gwena, je sais pas comment on prononce, chanteur sud-américain suivi par 6 millions de personnes sur le dit réseau social. Ou encore, Gabrielle Gonzalez dessinatrice de mode suivie par environ 5 millions de personnes sur le même réseau. Bah écoute, je sais pas trop quoi répondre à ça, David, bah, je vais juste te féliciter, parce que 3 abonnés réels sur 15 millions, c'est un super début. Par contre, c'est sûrement un oubli, mais tu n'as pas mentionné Babor Leléponce, enquêteur certifié suivi par 48 000 personnes sur Instagram d'ailleurs j'en profite mais n'hésitez pas à venir sur mon insta parce que je sais que David déteste quand je fais la promotion de mes réseaux sur des vidéos qui parlent de lui ça le rend ça le rend crazy quoi Ensuite, toujours dans l'objectif de discréditer M. Michigan et son activité, Clément Berru affirme que sa popularité est complètement fausse. Pour cela, à titre d'exemple, il affirme que les magazines ayant publié des articles sur lui sont de faux magazines. Et il accuse d'avoir acheté la publication de ces articles sur ses journaux. Or, il semble nécessaire de préciser d'une part que, contrairement à ce qu'affirme M. Berru, dont l'objectif évident est de discréditer M. Michigan, les magazines Forbes et Fortune India sont bel et bien de vrais magazines. Il convient également de souligner que le choix de réaliser des interviews dans ces magazines, Magazine est justifié en partie par le fait que M. Michigan a une communauté indienne importante qui le suit sur les réseaux sociaux, ce qui n'est en rien négatif. D'autre part, il convient de rappeler que l'achat de passages sur les journaux est une pratique marketing largement reconnue et utilisée par les personnalités publiques afin d'accroître leur visibilité. Cela n'est en rien illégal ou critiquable. Or, M. Beru se pose tel un protecteur de la morale en confondant volontairement publicité et arnaque afin de nuire habilement à la crédibilité de M. Michigan et de ses produits. Euh, déjà, merci beaucoup pour l'adverbe « habilement », ça fait ça fait vachement plaisir et surtout merci à l'avocat de David de confirmer exactement ce que je disais dans ma vidéo à savoir qu'il avait acheté ses publications ni plus ni moins et surtout ce que je retiens de cet extrait c'est que tu as visiblement une énorme fanbase en Inde mais elle est visiblement pas suffisamment énorme pour que les médias locaux s'intéressent à toi sans que tu achètes des articles de même très rapidement au cours de la vidéo il accuse monsieur Mijigan de mentir sur sa qualité d'acteur en sous-entendant qu'il faut forcément être mentionné sur le site halluciné ou IMDB pour avoir la qualité d'acteur monsieur Beru fait ressortir une fois de plus son évidence de volonté de dénigrer son concurrent. En effet, pour être acteur, il n'est bien évidemment pas nécessaire d'être un acteur de grande renommée dont les films sont diffusés au cinéma. Il ne faut pas oublier la catégorie des acteurs de théâtre ou de courts métrages dont fait partie Monsieur Michigan. Maintenant qu'on a vu que David tournait dans des vrais films de cinoche, je n'ai plus rien à répondre à cet argument. Le seul truc que je maintiens en revanche, c'est que les vidéos qu'il poste sur Instagram, moi j'appelle ça courir en se filmant et ça n'a jamais fait de personne un acteur à la fin de la vidéo dont le seul objet est le dénigrement et le détournement des abonnés de son concurrent monsieur berru affirme qu'il est plus compétent que ce dernier donc ça ça fait référence à un passage de ma toute première vidéo dans lequel je disais que à mon humble avis j'avais plus de choses à vous apprendre sur instagram que david michigan et ça, le temps a eu beau couler, je pense que c'est toujours vrai. Je pense que s'il y avait un concours d'Instagram, je te battrais David. Bon, comme évidemment les concours d'Instagram n'existent pas, je pense qu'il va juste falloir ravaler son ego et accepter cette petite remarque. Et surtout, la grosse différence, c'est que, contrairement à David, moi je n'ai rien à vous vendre, je suis pas en train de vous refourguer des formations où je vous promets que vous allez devenir le king d'Instagram. Nous ne sommes pas concurrents, monsieur l'avocat, vraiment, je vous jure que non. Cette vidéo a permis à Monsieur Beru de gagner un trophée YouTube par lequel la plateforme récompense les profils comptant plus de 100 000 abonnés. Alors ça ça tombe très bien que l'avocat de David mentionne mon trophée des 100 000 dans ses écritures, parce que je trouvais curieux justement qu'on n'ait jamais vu le trophée des 100 000 de David Michigan qui pourtant a dépassé les 100 000 abonnés sur YouTube. Mais peut-être que c'est parce que YouTube vérifie la provenance des abonnés avant d'envoyer le trophée des 100 000 à n'importe qui. Peut-être. Voilà, c'était une petite remise en contexte et un petit résumé des ajouts sympas qu'il y avait dans les nouvelles écritures. Et maintenant a eu lieu le procès d'appel. Contrairement à la première instance, l'audience était cette fois publique, donc j'ai quelques amis qui avaient pu m'accompagner et assister à la plaidoirie. Il y avait aussi une quinzaine d'avocats qui étaient dans la salle et qui attendaient leur tour pour plaider leur affaire. Et donc on était loin de la grande salle vide que j'avais eue lors de la première instance. Évidemment, à ma grande déception, David n'est pas venu. Et contrairement à la première fois, ils n'ont pas envoyé cette fois le petit jeune du cabinet, mais je pense le patron du cabinet. Ce dernier. A était très courtois avec moi, il m'a salué en arrivant et il m'a serré la main en repartant. J'y ai été sensible parce que rappelez-vous le petit jeune de la première instance m'avait complètement snobé. Au niveau de la plaidoirie il n'y a pas eu de détails aussi croustillant que la dernière fois quel que soit le parti. De toute façon les juges se basent principalement sur les écrits qui leur sont remis. J'ai quand même eu la sensation comme la première fois que ça s'était pas trop mal passé même si bon ça veut pas dire grand chose. Maintenant que l'audience était passée j'avais plus qu'à prendre mon mal en patience et attendre un mois et demi avant de recevoir le verdict. Le jour où j'aurais dû recevoir le verdict j'ai reçu un courrier du tribunal qui me disait Qu'en fait, ça allait être encore décalé d'une semaine parce que les tribunaux étaient surchargés. En même temps, je me dis que s'ils se farcissent des affaires aussi pathétiques que celle-là sans arrêt, c'est pas étonnant que la justice soit engorgée et je les plains très franchement. Bon, dans tous les cas, fin du suspense, le résultat est le suivant. Et voilà, victoire haut la main, le 1v1 était complètement one-sided, je n'ai même pas eu besoin d'ignite, c'est vous dire. David s'est fait débouter de l'intégralité de ses demandes et il doit me rembourser à hauteur de 2500 euros mes frais de justice. Donc ça couvre sans problème mes frais d'avocat j'ai même de quoi m'acheter quelques petites bouteilles de Pulco en bonus, donc vraiment tout est au top pour moi. Alors pourquoi David a reperdu Eh bien c'est tout con, il avait cette fois fait constater la vidéo par un huissier, mais il n'avait fait constater que l'existence de la vidéo. C'est-à-dire que l'huissier il avait dit oui, cette vidéo existe en mettant quelques screenshots de la vidéo, mais il n'avait pas fait retranscrire l'intégralité du texte de la vidéo, ce qui était pourtant nécessaire. Pour la juge pour pouvoir apprécier s'il y avait dénigrement ou non. Voilà, je ne sais pas trop dans quelle mesure c'est une erreur, parce que déjà cette histoire de constat c'est ça qui avait posé problème lors de la première instance. Alors là le constat a été fait mais la vidéo n'a pas été retranscrite. Alors j'imagine que ça coûte assez cher de faire retranscrire 25 minutes de vidéo à un huissier, mais bon, c'est la condition pour que le truc soit jugé dans de bonnes conditions. Donc je sais vraiment pas pourquoi ça n'a pas été fait. Peu importe, ça m'a permis de gagner, tant mieux pour moi. L'autre point qui a été soulevé dans le verdict, c'est que la procédure d'urgence n'avait pas lieu d'être. En effet, la juge a estimé que David avait mis beaucoup trop de temps avant de saisir une juridiction, quasiment 6 mois en effet entre la publication de ma vidéo et le moment où il m'attaque en procédure d'urgence, et que donc s'il a mis autant de temps que ça, c'est que ça ne devait pas être si urgent que ça, tout simplement. Alors je suis très content d'avoir gagné, mais quitte à chipoter un petit peu, j'ai envie de dire que j'aurais préféré gagner sur le fond que sur la forme. J'aurais vraiment aimé qu'un juge dise une bonne fois pour toutes que non, il n'y a pas de dénigrement dans ma vidéo, mais je vais pas me plaindre, j'ai gagné, et c'est l'essentiel. Voilà, l'appel, c'est fait. Mais est-ce que je suis vraiment tiré d'affaire Eh ben, David, il y a une qualité qu'on peut pas lui enlever, c'est sa capacité à croire en ses rêves. Et son rêve le plus fou, c'est pas de devenir acteur, c'est pas d'être célèbre, non, non, non. Son rêve le plus fou, c'est de voir disparaître ma vidéo. Donc non, je ne suis pas tiré d'affaire et il y aura bel et bien un troisième round. Quelques semaines avant même d'avoir reçu le verdict de l'appel, j'ai reçu un nouveau document d'huissier de, de David qui m'attaquait de nouveau. Et cette fois, donc, il m'attaque pas en procédure d'urgence, en procédure classique, donc ça va mettre beaucoup de temps, mais il m'attaque en diffamation. Mais alors, comment c'est possible qu'il m'attaque en diffamation alors que justement, dans ma précédente vidéo, je vous expliquais que le délai pour attaquer en diffamation, c'était trois mois après la publication de la vidéo. Et ma vidéo a été publiée en janvier 2021. Et bien là, ils essayent de se baser sur un élément nouveau. David est actuellement à l'étranger et il a réalisé en allant consulter ma vidéo qu'elle était sous-titrée en anglais. Donc, c'est vrai que si vous voyez ma vidéo depuis un pays anglophone, elle apparaît comme ceci. Et en gros, leur nouvelle stratégie, Consiste à faire comme si ces sous-titres constituaient une nouvelle publication et donc de remettre à zéro les compteurs pour pouvoir m'attaquer en diffamation. Alors, David s'est rendu compte en mars qu'il y avait des sous-titres, sauf que c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est pas parce qu'il s'en est rendu compte en mars que les sous-titres datent de mars, les sous-titres sont bien plus anciens que ça, mais c'est en tout cas le terrain sur lequel ils veulent essayer d'aller. Moi, dans tous les cas, pas de soucis, je serai présent à l'audience, j'ai déjà gagné deux fois et comme on dit, jamais deux sans trois. Comme je suis sympa, en vue de l'audience, je vais te donner un petit conseil, mais cette fois, fais retranscrire l'intégralité de la vidéo par un huissier. Ce serait quand même con de perdre une troisième fois à cause de la même erreur, même si moi, ça m'arrange. Bon, après, tu fais comme tu veux, la balai dans ton camp. Dans le document que j'ai reçu, il n'y a aucun argument nouveau. La seule grosse différence, c'est qu'au lieu de me demander 4000 euros de dommages et intérêts, il me demande 50 000 euros de dommages et intérêts. Donc c'est quand même un gros gap, mais franchement, David, demande un million, un milliard, un peu d'ambition, bon sang. Moi, ce que je trouve fou quand même dans toute cette affaire, c'est qu'il met énormément d'efforts pour essayer de faire supprimer ma vidéo, alors que juste s'il avait rien fait du tout, la vidéo aurait pas fait spécialement plus de vues et j'aurais pas fait de nouvelles vidéos sur lui. Il y a un truc qui est quand même, à mon sens, pas très compliqué à comprendre, mais je vais quand même l'expliciter au cas où, c'est que moi, plus il y a de procès, plus j'ai des choses intéressantes à dire et plus je vais faire de nouvelles vidéos. Et plus ça fait parler de toi, David, dans un sens qui, à mon avis, ne te plaît pas plus que ça. Ou alors, depuis le début, David se sert de moi et tire les ficelles pour que je lui fasse de la publicité gratuitement auquel cas il m'a complètement manipulé et ce serait un mastermind de génie mais non, je pense pas que ce soit ça. En vrai, je pense pas. Bref, avant de conclure, j'aimerais revenir deux secondes sur cette histoire de hacking parce que suite à ma vidéo où je vous disais que je m'étais fait potentiellement hacker ma chaîne YouTube, j'ai reçu plusieurs témoignages de personnes qui me disaient que elles se sont fait également hacker leur compte peu de temps après avoir commenté des statuts de David ou de son business. Donc soit des hacks assez classiques en mode juste on change votre mot de passe et vous avez plus jamais accès à votre compte, soit des hacks un petit peu plus vénères où non seulement vous n'avez plus accès à votre compte Instagram, mais en plus vous avez l'impossibilité totale de recréer un compte à votre nom. Donc je sais pas comment ils font ça, mais en termes de nuisance... On est pas mal. Je précise que c'est peut-être un hasard, évidemment, mais ça commence à faire beaucoup. Mais c'est peut-être un hasard. Pour ma part, et je le dis devant témoin, devant vous, mais je n'ai prévu de fermer aucun de mes réseaux sociaux, que ce soit à court ou long terme. Donc si jamais un de mes comptes venait à disparaître ou que je n'y avais subitement plus accès, ça viendrait quand même bien confirmer les soupçons que j'avais déjà. Dans tous les cas, faites attention à vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a H24, des mecs en costume d'Anonymous payés par David Michigan qui cliquent sur mot de passe oublié sur mon compte Gmail pour essayer de me hacker ma chaîne YouTube. Et je ne souhaite ce stress à personne. De base j'ai toujours pensé que c'était inutile d'aller commenter les statuts de David et je vous ai jamais incité à le faire mais en plus vous risqueriez potentiellement de vous faire pirater votre compte donc juste faites attention à vous Voilà vous savez désormais tout sur cette affaire je suis désolé c'était un petit peu long mais je suis tombé dans un vortex d'infos dont j'aurais jamais parlé si j'avais pas eu à refaire une vidéo sur le procès Pour conclure j'aimerais m'adresser à toi David directement parce que je sais que tu regardes cette vidéo je tiens à dire que je n'ai rien contre toi personnellement si on prend un petit peu de recul sur la situation tout ça est quand même assez ridicule. J'ai fait une vidéo où la seule chose que je dis dans le fond c'est que tu as acheté des faux abonnés. Ce qui d'une part est très probablement vrai, tu le sais, et d'autre part n'est pas si grave. Et toi suite à ça tu me colles trois procédures judiciaires au cul. Donc je pense qu'un jour il va falloir s'en remettre et arrêter de faire le bébé cadom et d'assumer ta stratégie. Tu as exploité une faille du système et ça commence à marcher pour toi grâce à ça. Tu es la seule personne au monde à ma connaissance qui a eu les couilles de faire de l'achat d'abonnés dans de telles proportions. Donc sois en fier et assume le truc au lieu d'essayer de faire taire tout le monde. Monde parce que ça, ça te donne une image négative. Je te souhaite, et c'est vraiment sincère, de réussir en tant qu'acteur ou producteur de musique. Je te souhaite surtout de gagner suffisamment d'argent par ces voies-là pour ne plus avoir besoin d'avoir recours au closing comme manne financière. J'ai un peu du mal à voir comment ton système peut être périn sur le long terme. Ça me paraît être un vrai numéro d'équilibriste ton truc. D'ailleurs, j'ai appris juste avant de tourner cette vidéo que la formation de David avait perdu son agrément CPF et que des contrôles étaient en cours. Tiens, comme c'est étrange, je sais pas si c'est provisoire ou permanent. Dans tous les cas, je suis content que ça ait eu lieu avant la sortie de ma vidéo, comme ça il pourra pas dire que c'est de ma faute. Je commence à savoir un petit peu comment fonctionnent les avocats, donc euh, j'anticipe les futures procédures. Voilà, j'ai tout dit, j'arrête de parler. Le meilleur moyen de vous tenir au courant de cette affaire, c'est bien sûr de vous abonner, même si là, à mon avis, la prochaine échéance, elle est dans longtemps. Pour les petites news plus ponctuelles, je vous invite soit à aller sur ma chaîne YouTube secondaire, soit à me suivre sur Insta parce que je posterai des petites news en story si j'en ai. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos plus chill et de nouvelles enquêtes, sous réserve que je ne me fasse pas hacker ma chaîne, bien sûr. Et encore un grand merci aux frérots de Cyberghost VPN d'avoir soutenu cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour avoir une réduction de ma boule à 1,94€ par mois seulement. Alors n'attendez plus pour naviguer en toute sécurité et avoir accès à du contenu en illimité. Ciao, bye bye, à la prochaine.